Comme chaque dimanche, Laurent Delahousse reçoit les invités qui font l'actualité culturelle. Ce dimanche 22 janvier, Claudio Capeo était présent sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2. Lors de cet entretien intimiste, le chanteur à l'accordéon est revenu sur son parcours et sur la manière dont il a appris à jouer de cet instrument. L'animateur a souhaité revenir sur la chanson « Les petites gens » qui rend hommage aux gens du peuple, au métier éprouvant et aux parents de l'interprète. C'est notre histoire, je l'étais. Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées dans ma carrière, j'ai grandi, bien sûr, confie Claudio Capeo au micro de Laurent Delahousse. Une remarque touchante qui démontre que le chanteur n'oublie pas d'où il vient et ce qu'il souhaite faire de sa carrière. Le chanteur explique également le choix de ce texte et surtout les raisons de ce titre. Ce sont eux qui portent le monde, qui portent le peuple. Ce sont eux qui en bavent le plus. Ce sont eux qui donnent le plus quand ça ne va pas. Une chanson qui se veut être une prise de position de la part du chanteur, mais pas que. Supérieur à supérieur à supérieur à on a grandi avec pas grand chose, Claudio Capeo cache sur son enfance modeste « Je suis toujours menuisier ». Et oui, quand l'animateur de France 2 évoque l'ancien métier du chanteur qui avait commencé une carrière de menuisier, Claudio Capeo n'hésite pas à le couper, « Je le fais encore. J'adore ça, ça me vide la tête ». Quand on coupe du chêne, ça sent tellement bon. Nul doute que l'interprète d'Un homme debout ne compte pas oublier ses racines, ni le milieu d'où il vient. Une très belle leçon d'humilité de la part de celui qui n'a pas hésité un seul instant à commencer sa carrière de chanteur dans le métro parisien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, 20h30 le dimanche, Claudio Capeo.